Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 16 juin 2022, c'est parti pour une vidéo à action de Créteil. Il reste encore des ensembles de jardin extérieur avec le sofa et les deux fauteuils. Les deux chaises, il y a deux chaises, un sofa et une table avec le dessus en verre, 99 euros. Des tours de rangement, donc 3 tiroirs, 15,95. Petite commode, on peut l'utiliser pour tout. On peut ranger son bricolage, on peut ranger des jouets à l'intérieur. Moi, je l'utilise dans la penderie, je mets mes sous-vêtements. Et il y en a aussi dans l'armoire des enfants, donc c'est plus simple pour eux de s'y retrouver. Donc les hauts, les bas, les chaussettes. Alors c'est un peu grand, donc on peut mettre après tout les accessoires, les bonnets de bain, les maillots de bain. Quand on n'a pas de tiroir dans l'armoire ou dans la penderie, c'est très bien. Autre outil de rangement, on a ces bacs pour aller sous le lit. Donc on peut mettre ça dans la chambre des enfants. Donc à l'intérieur, ils peuvent mettre leurs jouets. Après, vous pouvez peut-être aussi ranger peut-être une petite parure avec un petit drap, une petite housse de couette. Alors ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre comme ça. Donc on peut tirer que la moitié et on a accès à tout le bac. 7,95€. Il fait 70 cm de long, 36 de large et 17 de hauteur. Petit tour dans les bougies avec ces bougies en rotin, en verre dans un rotin. 3,95€. L'ensemble de deux bougies, donc coffret cadeau, deux bougies parfumées. 4,99€. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Normalement, il y a un troisième modèle aussi. Les cadres avec les bords miroirs. Alors, on a toutes les tailles dans ces cadres-là. On a les tout petits, là, à 2,99€. Jusqu'au plus grand. Alors, celui-là, le plus grand, je crois qu'il est à 24,95€. Après, on a ceux-là, 6,49€. Alors, ceux-là, ils font 30 par 40. On a les carrés. Alors, vraiment, si vous aimez ce modèle-là, je vous dis, il y a quasiment toutes les tailles. Si vous n'avez pas le miroir ou l'argenté, vous avez du bois aussi dans les cadres. 3,79€. Après le retour aussi de ces cadres, mais je vous les ai montrés hier. Donc doré, donc il y a deux tailles à chaque fois. Hop, on a du noir aussi. Et après dedans, comme je vous le dis à chaque fois, il y a des photos, il y a une petite thématique. Vous pouvez très bien mettre vos propres photos ou regarder dans certaines enseignes ou même sur internet, ils vendent des lots de cartes comme ça. Donc vous choisissez la bonne taille et après vous faites votre thématique. Ils ont mis aussi des rouleaux fines pour applicateurs. 99 centimes. Après il va y avoir plusieurs couleurs. Et donc un petit coucou à Nancia. Ils ont mis ce coffret boîte à perles de luxe, 4,39€, donc il y a plein de petites perles avec la petite pince qui va bien, donc de quoi faire de jolis bijoux. On a ces couleurs ici. Si vous avez déjà des perles chez vous mais pas la boîte qui va avec, il y a ça, c'est un lot de 4 boîtes. Alors elles sont empilables mais elles sont pas collées les unes aux autres, donc vous pouvez les utiliser séparément, donc pour ranger vos petites perles ou de petits outils accessoires de scrap. Ou même, vous pouvez l'utiliser dans le bricolage. Si vous en avez envie. Petit tour côté enveloppe. Avec ces enveloppes à bulles d'air, 1,14€. Il y en a 3. Taille A4. Après, on a la taille A5. 99 centimes. Et il y en a 5. Le retour de ces petits sacs à dos pour enfants à 5,49€. Non. Alors. Enfin, je revérifie le prix, 5,49€, c'est les sacs emoji. Donc ces petits sacs, je trouve que c'est sympa pour les goûter ou pour emmener. Bon là c'est la fin de l'année, mais s'il y a des cours de piscine et tout ça à l'école, pour les vacances aussi, mettre leurs petits jeux, jouets, leurs petits coloriages pour le voyage. Donc j'aime bien parce qu'on peut porter soit à la main, sac à dos, et il y a plusieurs, enfin il y a deux pochettes. Donc il y a cette couleur, il y a du bleu comme ça. Donc déjà, si votre enfant va entrer en maternelle l'année prochaine, pensez à lui prendre un petit sac. Ça va être pour son petit change, parce que quand ils sont en première année, on va vous demander des changes. Alors, il ne faut pas forcément un cartable ou un sac à dos. Ça dépend des maîtresses ou des maîtres.
En général, en maternelle, pas besoin d'emmener des choses à la maison, mais des fois pour mettre, quand il y a besoin, le carnet de liaison ou de correspondance. Donc prévoyez quand même un petit sac. Les essoreuses, dimanche, j'ai oublié de vous donner les prix, elles sont à 3,99€. Tiens, une nouvelle étagère en métal, 3 étages, elle est à 29,95€. Alors elle fait 77 par 30 par 68. Alors j'ai bugué parce que on a déjà eu une étagère comme ça, mais en fait là c'est nouveau parce que vous voyez là ça va jusqu'en. Moi j'ai eu celle-ci, mais ça restait pas, c'était pas le même design. Après c'est une petite étagère qu'on peut mettre encore une fois où l'on veut. On peut la mettre dans une cuisine, ça fait un petit rangement et c'est pas très profond. Hein. 30 cm, on peut la mettre dans un salon, on peut la mettre dans une chambre. Après chacun. Chacun ses idées. Petite nouveauté, j'allais même dire enfin, parce que d'habitude on a les planches là, mais c'est celle-ci qu'on a depuis très longtemps, mais là c'est une nouvelle taille. Alors c'est une taille qui existe dans pas mal d'autres enseignes, hein, surtout de bricolage. Elle est carrée, donc ça doit faire 30 je suppose, non 23 par 23, 3,99€. Donc on l'a en noir, couleur bois et en blanc. J'avais des petites étagères comme ça dans mon ancien appartement et j'avais mis ça dans les toilettes, mais j'ai pas mis comme ils ont mis comme ça, j'ai mis moi dans un angle, hop, et ça m'a permis de faire une petite étagère sans que ça prenne trop de place dans les toilettes. Après on peut y poser soit une déco, soit ses rouleaux, soit autre, mais pensez aussi à les mettre en angle. Je réexplique un peu comment ça fonctionne. Donc vous allez avoir le bout en métal noir qui va s'enlever de la planche. Dedans, il y a deux grandes tiges. On va mettre ça au mur, ce côté-là. Et puis après, on va venir glisser la petite planche. Vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier? Les nouveaux plateaux ronds tropical, 33 cm de diamètre avec un dessus un peu doré. 3,69€. Il y a celui-là. Alors hier, j'ai vu trois modèles. Mais en fait, je viens de voir qu'il y en a quatre. Donc il y a celui-là. Et il y a celui-là. Non, celui-là, c'est le troisième. Et il y en a un quatrième. C'est celui-là. Celui-là, je ne vous l'ai pas montré hier. Alors, d'habitude, quand ils nous mettent comme ça, des motifs comme ça, on a la vaisselle qui va avec, mais on n'a pas encore eu cette vaisselle. Les sets de table, 99 centimes, il y en a 4. Alors, ils sont en plastique léger. Il y en a plusieurs. Donc on a la lavande et on a cela. Un petit tour dans les petits barbecues. D'ailleurs, ça c'est une nouveauté. Il est à 9,95€ sur trépied. Barbecue rond, 33 cm par 43. 9,95€. Après dans les petits barbecues, donc c'est des barbecues à charbon, on a cela aussi. On a plein d'accessoires hein, pour les barbecues. Hein. On a l'ensemble là, 5,95€. On a les pinces, 2,99€. On a les gants aussi. Alors les gants, ils sont à 2,63€. Je vous les ai montrés il n'y a pas très longtemps, mais je n'avais pas donné le prix. Après, on a les grilles là. Alors ça, à quoi ça sert? En fait, vous allez le mettre sur votre grille et ça va éviter aux aliments de tomber dans le barbecue. Parce que c'est vrai que les grilles des barbecues, elles sont un peu larges, donc on peut perdre quelques aliments. Mais avec celle-ci, si vous posez ça, ben voilà, il n'y a plus rien qui tombe et ça ne colle pas. C'est 1,57€, on peut les découper et bien sûr c'est réutilisable. Allez, envie d'un petit barbecue solo ou à deux, vous avez ces barbecues d'extérieur, mais qu'on peut du coup emporter. 2,49€. Alors cette année c'est une nouveauté, ils ont mis une petite bouteille d'eau donc pour éviter je pense les incendies. Donc une fois que vous avez fini votre barbecue, vous l'éteignez avec la bouteille d'eau. Alors c'est pas de l'eau potable, moi je trouve que c'est pas mal comme ça, vraiment ça incite les personnes à bien éteindre leur barbecue avant de partir. 2,49€. Donc la barquette, le charbon, il y a tout ce qu'il faut. Bon, faut juste pas oublier le briquet, parce que je pense qu'ils n'ont pas pensé à mettre quelque chose pour l'allumer. Montre enfant, 4,69€ avec lumière. Il y a ça, celle-ci, il y a celle-ci,
Il y a celle-ci. Donc 4,69. Oh, petite nouveauté encore avec ces petits porte-clés. 99 centimes. Ça, vous voyez, c'est des bonnes idées cadeaux pour les enfants. Ça permet d'avoir plusieurs petites choses. Et puis en général, les enfants, ils aiment bien. Alors ça, c'est pour les valises. Ça. C'est un porte-étiquette pailleté. Donc, pas forcément pour les enfants, hein, donc pour reconnaître sac à dos ou valise. Bon, ils mettent porte-clés. Ils ont remis les sacs. Donc en général, ces sacs-là, on les a l'été. Alors c'est bien parce qu'il y a le nom, prénom à mettre. C'est 2,49. Donc on a la licorne. On a pas de patrouille. On a les emojis. Ça, c'est pas mal aussi pour les vacances ou même pour remettre leurs petites serviettes de plage, etc. 2,49. Oh, il reste quelques petits porte-monnaies. Côté gym, bonnet d'entraînement, 40 pièces pour 6,99. Alors ça, c'est nouveau, il n'y a pas très longtemps, on a eu ça. Et on a aussi des plots. Alors pensez vraiment à faire un petit tour côté rayon sport, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Tiens, ça aussi c'est nouveau, l'élastique là avec les poignets, 2,99. Pareil, hein, ils ont plein de choix d'élastiques, de poids. Sinon, il y a ce sac complet avec les trois bandes de résistance. 9,95. Alors c'est pas ça que je voulais vous montrer parce qu'il y a un autre sachet comme ça avec plein d'autres accessoires pour s'entraîner. C'est bien, il y a les exercices. Il y a les exercices. 9,95. Ça peut être une bonne idée cadeau hein, pour la fête des pères, puisque comme c'est dimanche, si c'est un papa qui veut se mettre au sport, pourquoi pas. Ou qui fait déjà du sport. On va jeter un coup d'œil sur les valises qu'il y a en ce moment chez Action. Hein. On a celle-ci, 69,95 €. Puis on a les petites colorées, 29,95 €. Tiens, petite nouveauté, lotion pour le corps auto-bronzante, 2,29 €. En parlant d'auto-bronzant, il y a ce produit qui plaît beaucoup. Il est à 2,29 €, donc c'est une eau auto-bronzante avec de l'argan, de l'huile d'olive et des extraits de carottes. 2,29 €. Et ça, depuis l'année dernière, à chaque fois, on parle de ce produit-là. Tiens, une nouveauté, mais alors, je ne vois pas où ça a été posé. C'est le seul que j'ai trouvé en rayon. C'est une sorte de pas de brosse, mais pour faire des massages. Donc, c'est en silicone. Donc, pour faire des gommages, bande exfoliante pour le corps. Pour un gommage de la peau et un massage du corps facile à utiliser sur les zones difficiles à atteindre. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé, c'est là, c'est 1,44 €. Bah, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Hein. Alors, moi, j'avais acheté la grande brosse, vous savez, en bambou. Et je pense que je vais me laisser tenter par ça. Le savon Mont Saint-Michel, donc savon pour les mains, ambré authentique, 75 centimes. De temps en temps, ils ont d'autres colonnes Mont Saint-Michel ici. Un peu moins cher que dans les grandes enseignes, mais en ce moment, il n'y en a plus. Le retour de ces masques visage à 2,22 €. Donc celui-là, il y a l'extrait de banane. Donc il faut appliquer et laisser agir 20 à 30 minutes. Et celui-là, masque de nuit à l'huile de lavande, donc appliqué sur une peau propre et sèche et laisser reposer toute la nuit. 2,22 €. Donc masque de nuit et masque de jour. Il est à enlever celui-là. Des petites robes de déguisement Peppa Pig. Donc 7,95 €. Il y a Peppa Pig. Alors normalement, il y a toujours d'autres. Ah, la patte patrouille. On a Belle. Alors, au niveau des tailles, je vois 110, 116. À mon avis, ça va aller du 98 au 128. Donc à mon avis, du 2 au 6-8 ans. 7,95 €. Bon, il fait chaud, j'ai pas envie de finir par du chocolat, on va finir par ça. Alors j'ai pas encore goûté, c'est des petits sachets pour faire du thé froid.
1,12€, on a citron, lemon, lime et menthe. Et je crois qu'il y en avait un deuxième, mais je vois pas le deuxième. S'il est là, donc c'est fraise et framboise. 1,12€. Ah, c'est vrai que c'est rafraîchissant. Alors moi, je me suis fait hier un thé vert à la menthe maison. J'ai fait ma petite recette de thé vert à la menthe. J'ai pas mis de sucre. J'ai laissé refroidir. Après, j'ai mis au réfrigérateur et puis j'ai mis quelques petits glaçons et c'est plutôt pas mal. Donc au lieu de consommer le thé chaud, vous en préparez un litre, vous mettez au frigo. Alors après, moi, j'ai sucré avec du miel parce que je voulais pas mettre de sucre blanc. J'ai sucré avec du miel, mais j'aurais dû sucrer avant parce qu'avec le froid, ça avait du mal un peu à se diluer. Et voilà, c'est rafraîchissant et c'est bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Alors j'étais en train de penser, je vous ai parlé de thé vert à la menthe. Mais si vous avez envie, vous pouvez prendre du thé comme ça en sachet. Et puis pareil, hein, vous le laissez refroidir, ça fera un thé, un iced tea. Hein. Voilà, plein de gros bisous, je vous dis à plus tard.